Hey, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau let's play sur le jeu Stardew Valley, un jeu que j'avais extrêmement envie de vous faire. Ça fait maintenant 2-3 mois que je regarde ce jeu un petit peu, j'avais vraiment envie de vous le faire. C'est un jeu qui est un peu différent des autres jeux que je fais sur la chaîne, c'est vraiment un tout autre style. Et donc aujourd'hui on va jouer à Stardew Valley. Faut savoir que j'ai mis le jeu en français avec un patch, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. On se retrouve sur Stardew Valley. Je suis extrêmement content de vous faire ce jeu parce que c'est un jeu que j'avais énormément envie de faire. Alors au début je pense que vous m'entendrez pas super bien, mais restez jusqu'à la fin le temps que je bouge un petit peu les sons. Et puis après on pourra parler un peu moins fort parce que là il faut que je parle vraiment fort si vous voulez m'entendre. Mais c'est normal, il faut juste que j'aille en jeu et que je règle les sons. Alors je vais me créer du coup. Alors je vais un petit peu regarder pour pas trop perdre de temps. Voilà, alors le haut. Le haut, j'avais décidé de prendre la tenue de Link. Voilà. Et le bas, j'avais dit juste pour me fermer, voilà, en rouge. Et voilà, donc là on est bon. Animal préféré, bon moi c'est le chien, perso. Alors, donc, on va s'appeler Dragon. Ah bon, on va pas chercher, voilà. Alors par contre, je m'appelle pas Dragon comme ça. Il faut savoir que je joue avec mon clavier en QWERTY, du coup j'ai pas trop l'habitude. Dragon Farm. Ok, où est le M? Où est le M? Ok, j'ai perdu le M. C'est bon, Dragon Farm il est là. Et le truc préféré, on va dire le gaming. Voilà, putain, le gaming. Hop. Et puis on est bon. Donc arrêtez de. Voilà. Hein? Voilà. Donc alors Dragon. Alors Stardew Valley. C'est un jeu qui a été fait par une seule personne il me semble, et c'est un jeu qui est juste énorme, ça mêle un petit peu tous les jeux de gestion, et en fait on va devoir gérer une ferme, et c'est là que ça va devenir extrêmement drôle, c'est parce qu'en fait c'est une ferme, et en même temps c'est un condensé de Minecraft, des Sims, enfin il y a plein de trucs à faire sur ce jeu, et je pense qu'on est parti pour une bonne série, pas comme YouTuber Life qui est, je le rappelle, fini, hein, même si j'ai pas fait l'épisode final pour en parler, donc voilà. On est bon, on va se prendre une ferme normale, hein. Bah, après si vraiment on a envie, on se prend une saison 2 sur une ferme pluviale ou des trucs dans ce goût là quoi. Donc pour le moment on va juste prendre la ferme standard et on va commencer cette petite aventure sur Stardew Valley. Et à mon petit-fils adoré. Ok, faut que je prenne le temps. Cette enveloppe scellée est pour toi. Non, non, ne l'ouvre pas tout de suite. Patience. Ça fait penser à la musique de Yoshi. Maintenant, écoute-moi bien. Un jour ou l'autre, tu t'en sentiras accablé par la vie moderne. L'esprit lumineux se consumera dans le vide grandissant qui l'entoure. Vous remarquez au passage que le grand-père a un sabre et une photo de mamie, hein, avec une espèce de petit truc chelou. Lorsque ça arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ce cadeau. Par contre, ton lit est genre en plein milieu de la pièce. Ça, c'est pas genre. Non, les gens le mettent sur le côté en général. Maintenant, laisse ton grand-père reposer en paix. Quelques printemps plus tard. Ok. Ah, on travaille dans un bureau. Work, rest. Allez, salopard. Où est-ce qu'on est? Smile with your Jojo. D'accord, donc là, il y a carrément un mec qui s'est barré. On a un cowboy, un mec chelou qui travaille. Mais le cowboy, il tire la langue. D'accord, ok. Là, il y a nous. C'est nous, ça? Non, c'est pas nous, ça. Ah, il y a un mec mort à droite. Life better with Jojo. Donc, on travaille dans une truc, donc dans une entreprise qui s'appelle Joja. Ok. Ok, ok. Oh, il y a un stylo. Je veux le crayon. Oh, c'est quoi cette souris? C'est quoi cette souris? Oh là 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 là, la souris bien nulle. Hop, on peut éteindre l'ordi. Non. Allez, prenons la lettre. Cher Dragon, si tu dis ceci, ça signifie que tu as désespérément besoin de changer de vie. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. J'avais perdu ce qui importait le plus dans la vie. Un lien, une connexion avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour aller vivre une vie qui me correspondait vraiment. Je te lègue pour la présence de mon logis, ma ferme, ma fierté et ma joie.
La ferme Dragon Farm, elle se trouve à Stardew Valley, sur la côte au sud. C'est un endroit idéal pour démarrer une nouvelle vie. C'est ce que j'ai de plus précieux à t'offrir. Et elle est désormais tienne. Je sais que tu feras honneur à la famille, mon garçon. Bonne chance, je t'aime très fort, grand-père. PS, il est oui, c'est toujours à vie, salut de ma part. Ok. Et bien, on a hérité d'une putain de ferme. Alors, vu qu'on travaille dans un bureau, évidemment, on connaît hein, comment s'occuper d'une ferme. Hein, c'est logique. Ne me dis pas qu'on est dans ce camping-car. Ah non, mais on finit sur un bus. Waouh. Quand même, c'est pas dégueulasse. Hein, on dirait un peu les graphiques de Terraria. Donc ça, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Stardew Valley. Bon, et ben voilà, nous voilà arrivés à Stardew Valley. Avec un petit oiseau bien kawaii. N'est-ce pas? L'oiseau du kawaii. Ah, on peut passer la cinématique, comme vous voyez. Je ne ferai pas. Oh! Bonjour, tu dois être Dragon? Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher et te montrer ta nouvelle maison. Il est sur la place et il te prépare ton arrivée. La ferme est par là, si tu veux bien me suivre. Alors, moi je veux savoir, pourquoi le maire est autant intéressé par moi? Alors, peut-être qu'il est ami avec mon grand-père, d'accord, mais alors moi, il t'en s'en bat les couilles, hein. C'est la ferme Dragon Farm. Ah bah voilà. Ouais voilà, c'est un peu la merde hein. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, c'est un peu le bazar, mais la terre est meuble fertile. Les meubles fertiles, hein, tout ça. Avec un peu d'effort, tu l'auras nettoyé en un rien de temps. Ouais ouais, d'accord, Jackie. Ça marche. Oh, y'a un trou là. Putain, qui c'est qui a pété mon parquet? Et nous, y voilà, ta nouvelle maison. Je vais le défoncer. Le mec a pété mon parquet, je vais... Bonjour. Vous pouvez sortir de chez moi, monsieur? Ah non, c'est mon nouveau fermier. Bienvenue, je m'appelle Lewis, le maire de Pelican Town. Tu sais, tout le monde est curieux de te rencontrer. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un emménage ici. C'est un événement important. Ouais. Tu m'étonnes, ça va sûrement être un village de merde. Donc, tu emménages dans la maison de ton grand-père. C'est une bonne, très bonne maison, très rustique. Tu me laisses ma maison tranquille, d'accord? Elle va être super kawaii, on va la décorer, on va mettre des chats et tout, des Nyan Cat et tout, on va tout faire. Rustique, c'est une façon de dire les choses. T'inquiète, je vais la raser, je vais me reconstruire une villa. Coulant serait plus approprié selon moi. Sois pas vache! Ne l'écoute pas, Dragon. Elle est juste en train d'essayer de te faire de la pub pour que tu lui fasses agrandir la maison. Ah, c'est bête ça, hein? Bon, le trajet est sûrement épuisé, tu devrais aller te reposer. Demain, tu devrais explorer un peu la ville et te présenter aux villageois. Les gens l'apprécieront beaucoup. C'est par où la ville? C'est là-haut? Est-ce que c'est là la ville? Dis-moi, est-ce que c'est là? Oh, je l'ai oublié. Si tu as quelque chose à vendre, mets-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher à la nuit tombée. Je t'enverrai de l'argent de la banque. Bien, bonne chance. C'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt intéressant ça. C'est plutôt intéressant tout ça. Putain de coq! Je vais l'enculer. C'est parti là, non mais là il m'a saoulé là, genre moi je commence, je viens à peine d'arriver, le mec il dit vas-y réveille-toi, non mais putain. Hop, alors courir mage, mais je crois qu'il court automatiquement, donc c'est pas mal. Alors, bonjour. Oh, j'ai des graines de panaïs. D'accord, vous recevez 15 graines de panaïs, aussi quelque chose pour démarrer, merde, oui, c'est très bien. Très bien, très bien. C'est quoi ça? Journal, pour commencer, cultiver et récolter un panaïs, 2 sur 28 personnes, salut. Ok, alors on a des outils, on a une hache, une houe. Une pioche et une faux. Ok, très bien. Très bien, très bien. Il y en a un arrosoir aussi. Oh là 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 là, c'est un peu le bordel là. Alors écoutez les gens. Pour ce début de let's play, je vous propose que je débrouille un petit peu tout ça en accéléré. Et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Un peu débroussaillé, bon c'est pas non plus hyper propre, mais bon on a un début de ferme,
Bon, alors le seul problème, c'est que j'ai remarqué qu'on avait de l'énergie. Donc, c'est un peu relou ça. Bonjour, tu peux aller dormir pour récupérer de l'énergie? Dormir, oui. Donne-moi mon énergie. Bon, on a bien débroussaillé. Ok, donc on a de l'énergie par jour. Très bien. Ça va être relou ça. Ça va être un peu relou. Donc, on va regarder un petit peu l'inventaire, tout ce qu'on a eu. Alors, on a obtenu pas mal de charbon. On a obtenu un petit charbon, un combustible. Ok, donc ça, je peux le placer là. Ah non, j'ai pas du tout accès à ça en fait. Organiser. Ouais, d'accord. Ok, alors. Sève. Fluide vital pour les arbres. Graines de panais. Graines en vrac. Bois. Pierre. Ok. Alors, on a les compétences. Ça c'est ce que j'avais vu. On a un portefeuille aussi. On peut en avoir un si on peut. Voilà, on peut en avoir un. Voilà, si on peut. Alors, on a une sociale. Donc, ça c'est pour se trouver une copine. Voilà. On a une carte que je vais vous montrer d'ailleurs si ça ne veut pas bugger. Donc on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs. On a des horaires aussi. Oh là là, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Je crois qu'en plus après tu peux partir à l'aventure, faire des trucs, enfin bref. N'importe quoi. C'est vraiment sympa en tout cas comme petit jeu. Je pense que je vais faire un bon let's play dessus. Je pense que ça vient me prendre une bonne partie du truc. Hein. Alors, on peut avoir des clôtures. Donc ça c'est pas mal. On va en faire pas mal. Je peux pas poser là. Putain. Je les pose où? Inventaire plein. Ouais, mais je mets ça où? Attends, comment je peux craft un coffre? Craft. Coffre. Ok, je viens de griller du bois alors que j'en ai besoin. Est-ce qu'on est content? Attends, j'arrive. Hein. Je vais juste chercher du bois et puis je suis là-dessus à toi, Jackie. J'ai vu qu'il y avait une lettre pour moi. T'en fais pas, je l'ai vu. Alors, donc, on va se faire un coffre tranquillement. C'est con qu'on ait pas de sac à dos. Ça serait peut-être plus simple de s'en crafter un. Je sais pas si on peut s'en crafter un quelque part là-bas. Hop, on est à 53. Hop, je vais ramasser quand même un petit peu de bois qui est là parce que c'est quand même moi. Oh, il y a un truc là à gauche. On ira voir après. On va pas s'étaler de partout. C'est pas ça le but du jeu aujourd'hui. Là, le but du jeu c'est vraiment de se trouver, de commencer à planter. Bon, il y a un truc vraiment détruit là. Je pense à mon avis, on pourra le rénover plus tard. Donc, on va commencer. Ah, mais par contre, je vais avoir besoin d'eau moi. Je vais avoir besoin d'eau moi. Ah, attendez. Donc, du coup, on va se faire un coffre. Non. Artisanat. Coffre. Qu'on va mettre à la place des graines en vrac. Hop. Hop. Donc, le coffre qu'on place. Oh, on peut placer que dehors. Ah non. What? Je peux le placer que là? Mais non. Bon, ouais, je peux le placer que là. Donc, on va poser pas mal de choses. On va poser donc les clôtures, tout ça. Et go. Hop, on pose tout ça. Voilà, on va poser. Merde, pas putain. On va poser du coup bah, la hache. Hop, tout ce qui nous sert pas. Donc, ça et ça. Ah, si, la faux, on va peut-être en avoir besoin. Hop, on va prendre donc des clôtures. Ça, du bois. Hop, et voilà. La 7, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse la planter. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir commencer à bêcher. On va peut-être placer des clôtures. On va placer des clôtures. Hop. 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 Ça va pas faire un truc énormément grand, mais bon, on va quand même se faire un truc qui est pas mal, quoi. Hop. Hop. Alors, on bêche. Donc, là. 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 Allez, vas-y. Hop, tout ça. On va se faire trois lignes, hein. On peut y aller, on peut les planter les trucs. Hein. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que genre on peut pas avoir des plantations, genre on peut pas faire un petit peu comme dans Minecraft, genre avoir un seau d'eau et planter. Quoi. C'est un peu de la merde. Enfin, je dis ça, je connais pas le jeu. Hein. Peut-être qu'il y a une autre source, un autre truc à faire. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas mal. On va donc planter les graines. Okay, donc il faut vraiment qu'on soit à côté. Je pensais à mon avis, on aurait pu placer le coffre là-bas. Mais c'est juste que là, c'est à côté de nous, du coup, on l'a planté. Hop. Hop, alors par contre, je crois qu'il y a des monstres la nuit, mais je suis pas sûr. On a pris les graines en vrac. Ah, oh, c'est de la ressource, ça. Intéressant. Alors, on va juste reprendre un peu de bois qu'on avait déjà, en fait. Donc, je vais juste fermer ma gueule. Artisanat, on va se recréer des... Voilà, on va créer un portail aussi. On n'oublie pas. Hop, portail. Ah, carrément. Donc, en fait, ça vient de niquer tout mon bois. Très bien. Par contre, on se met l'ouverture ou on la met là. On la met là l'ouverture. Genre, je peux l'ouvrir?
Non, pour le moment, je peux pas l'ouvrir. Il me faut du bois, je vais aller en chercher. Ah putain, j'ai le réflexe d'appuyer sur E. Alors qu'en fait, ça va juste être le clic droit pendant genre tout la, pendant toute l'aventure. Alors putain, ça par contre, que la barre d'état change au niveau des trucs, ça c'est un peu relou. Hop, hop. Donc, en tout cas, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Si ça se laisse faire sur Stardew Valley, moi je pense que je vais bien m'amuser dessus. Je vais passer quand même un bon petit temps. Je vais aussi essayer de vous diffuser des épisodes assez souvent, je pense, genre 4-5 par mois, voire peut-être un peu plus. Enfin, faut voir, j'ai pas encore des dates précises. Mais en tout cas, je vais essayer de diffuser le plus possible parce que bah, c'est un jeu que pour le moment, je commence à bien l'apprécier. Ah, voilà. Alors, on est parti. Hop, 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 et voilà. Donc, c'est un jeu, je pense que je vais essayer de faire des vidéos à peu près de 20-25 minutes, hein, que ce soit pas non plus hyper long pour vous, que vous n'ayez pas, vous ayez quand même des choses à regarder, mais que ce soit un petit peu rapide. Et que j'espère en tout cas que vous aurez quand même ce petit let's play, hein. Donc, on peut le remplir avec le plan d'eau qui est ici, donc ça c'est bon. Donc voilà, donc la sève, je sais pas du tout, c'est de la collecte. Mais tu crois que je peux vendre la sève? Peut-être. Alors, on a reçu quelque chose, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah! Oui, matelot, je vais rentrer dans le séjour en mer, tu devrais passer par le plage NC4, j'ai quelque chose pour toi, Willy. Très bien, Willy. C'est super, c'est super. Alors, on va peut-être poser la sève dans le coffre, je pense. On va faire ça pour voir si on peut pas gagner un peu d'argent. Ça serait pas mal de gagner un peu d'argent grâce à de la sève. Après, je sais pas du tout si ça se vend de la sève. Hop. Hop là, nickel. Bon. On va donc aller parler aux villageois tranquillement. Ok, non, on va regarder comme ça, c'est bon. Alors, on a comme mission vers la plage. Ok, très bien. Rendez-vous sur la ville avant 17h. Allez, allons en ville. Alors, la ville, c'est pas du tout par là. La ville, c'est par là, voilà, merci. Est-ce que j'utilise l'énergie quand je cours? Non, c'est bon. Alors, oh, c'est quoi ça? Le bus avant Desert Calico est hors service. Ah, dommage. Oh là, il y a un truc pour les mines. Hors service. Putain, le jeu a l'air extrêmement grand. Bah, c'est sympa. Pour le moment, c'est bien sympa. C'est bien sympa. Par contre, je récolte avec quoi? Vous pensez avec la faux ou avec la houe? Avec les mains, tout simplement. Je sais pas moi. Je peux couper les arbres qui sont ici ou je peux pas parce que c'est dans le village? Non, c'est dans le village. Donc tout ce qui est dans le village, je peux rien prendre. Ok, comme ça c'est bon. Je suis au courant. Alors, on va se présenter aux villageois et évidemment, comme vous êtes le nouveau voisin, le premier réflexe que vous avez, c'est d'entrer chez les gens sans aucun respect. Voilà. Putain, elle est sympa leur maison. Ah, mais c'est une rockstar, c'est ça? Putain, elle est grave sympa ta maison. Vous n'êtes pas assez amis avec Sam pour entrer dans sa chambre. Ah d'accord, c'est bon, il y a un petit peu de logique dans le jeu. C'est pas mal. Ça c'est qui ça? Vous n'êtes pas ami avec Jody pour entrer dans sa chambre. Ok, ils ont une liste de courses, c'est d'œufs, du pain, des carottes et du lait. Des œufs, du pain, des carottes et du lait. Tu penses que je préfère planter ça? Ah mais je passe. Est-ce que je peux avoir des animaux? Est-ce que vous pensez que je peux avoir des animaux? Tranquillement. Salut, ça va? Ah salut, je m'appelle Sam, enchanté. Ouais. C'est tout? D'accord. Donc tu t'en vas moi aussi, d'accord. Sors. Ouais, c'est bien raccord. On va le suivre. Alors, on va faire le mec pas du tout stressé, on va le suivre. Tu vas où, Sam? Tu vas où, Sam? Dis-moi. Oh, il y a les égouts. Genre, je peux aller dans les égouts. Fermé. Genre. Putain, mais ça va être génial comme jeu, en fait. Sam. Dis-moi où tu vas. Mais il est où? Faut qu'on aille voir Willy aussi, hein, on n'oublie pas. Pour le moment, on va juste stalker Sam, hein. On va être dans le plus grand des calmes. Tu vas pisser derrière les buissons? Je veux qu'il vienne avec toi. Ok, très bien. Ok, très bien. Et bah écoutez, on va pas parler à Sam tout de suite, hein. Pour des raisons évidentes. Oh putain, c'est quoi cette maison encore? Bonjour. Est-ce
faut deviner, faut que je sois avec quelqu'un. Pas encore, c'est avec Lewis. Ah d'accord, donc ça c'est la maison de Lewis. Donc lui il se fait carrément pas chier. Le mec il a une villa, et moi j'ai une petite maison comme il dit rustique, hein, voilà. Putain. Enfin bref. On va pas se plaindre, on va parler avec Timmy. Oh, un étranger, je m'appelle Vincent. Maman m'a dit de pas parler aux étrangers, mais toi t'as l'air cool. Est-ce que ces gens sont tous devenus marteaux? Salut. D'accord. J'ai donné un cours à Jas et Vincent aujourd'hui. Ils ne sont que deux, mais ça fait chaud au cœur de changer la vie de quelqu'un. En même temps, mec, tu enseignes dans un petit village. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des gens qui viennent? Ouah, c'est quoi? Ah, c'est la forge. C'est fermé. Ouverture 9h-16h. Ah, je viens d'arriver pile à la fermeture. Ah, dégoûté. Donc à mon avis, je pense que je peux aller me crafter une épée là-bas. Hop. Ok, donc ça, c'est pas fermé. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Il manque un livre ici. Ah, intéressant. Bonjour. Bonjour, bienvenue au centre archéologique de Dantou Valley. C'est un peu gênant, mais le conservateur précédent est parti avec la collection. Nous n'avons plus d'un seul artefact exposé. Mais je compte bien le remédier bientôt. C'est un institut d'artefacts des minéraux là, de haut, tu me fais savoir. Est-ce que du coup, il faut que je lui apporte mon charbon? Sachant qu'il y a du combustible, je pense pas, mais bon. Qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait? Bon. Je pense qu'on a un petit peu visité la ville. On doit être bon là-dessus. On reviendra peut-être demain pour la ville, hein, pas de problème. Je veux voir un petit peu tout ce qui est disponible en termes de craft. Donc là c'est carrément, ok très bien, donc là c'est un cimetière. Bon, au moins il y a eu que 4 morts dans ce village, c'est pas du tout rassurant. J'adore ce village. Oh, il y a une place. Ouais mais c'est là en général que tu mets des fontaines en fait. Enfin il y a une place. Oh, il y a un hôpital, ça c'est rassurant. Ça c'est rassurant. Oh, anniversaire de Vincent, anniversaire de Lewis, anniversaire de Audi, festival des œufs. Ok, danse des fleurs, anniversaire de Pam, anniversaire de Shane, anniversaire d'Emily, anniversaire de Pierre. Putain, mais ça va quoi les gens, on va se calmer quoi, en mars, il y a du monde hein, qui est né. Hein. En tout cas, c'est pas mal, peut-être d'aller leur souhaiter leur anniversaire, ça pourrait peut-être nous aider à devenir un peu plus sympa avec eux. Enfin, je ne sais pas, on verra bien. Alors, nous, on va rester chez nous, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le caillou. Moi, j'ai envie de savoir... Qu'est-ce qui est disponible à faire avec le caillou, le temps que ça pousse évidemment. Excusez-moi les amis, j'ai un petit peu là-bas embourbé. Et puis j'ai envie de voir aussi sur le si la sève s'est vendue. Alors le caillou, le bois, hop, craft. Alors chemin en bois, chemin pavé, feu de camp, chemin de gravier, torche. Alors dans certains jeux, le feu de camp ça te sert à crafter plus de choses. Donc est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, on va regarder ça tout de suite. Feu de camp, hop, on va placer dehors évidemment parce qu'on passe pas un feu de camp. Ok, donc on place un feu de camp à l'intérieur de notre maison, tout va bien, les gens sont normaux chez nous. On va le placer ouais là. Ok, artisanat. Ok, donc ça n'a servi à rien. Comment est-ce que je peux avoir plus d'artisanat? Pour ça que c'est une compétence que je peux obtenir. Waouh, d'accord, intéressant. Non, putain. Compétence. Agriculture, pêche, combat. Non, c'est pas une compétence. Ça sert à quoi le feu de camp? Hop, est-ce que je peux le placer là? Même pas, tu vois, je peux même pas faire un bon raccord. Hop, nickel. Normalement, je dois récupérer tout le stuff qui est à l'intérieur. Quand tu veux, Jackie. Alors, attends, on va prendre notre hache. Je peux pas casser le coffre. Non! Putain, je peux pas casser le coffre, t'es sérieux? Ah, je peux changer la couleur du coffre. Vas-y, on va le mettre en blanc. Bon, écoutez les amis, on va y dormir. On va poser tout ça. On va aller dormir et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Surtout, est-ce qu'on a gagné de l'argent? Oh, agriculture, ouais. Collecte. Ah, 72. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Jour 2, jour 3, printemps, année 1. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on se fait un petit début de stuff, c'est pas mal. C'est pas mal, on va voir du coup si ça a poussé. Et la réponse est
Non, donc on va remettre un petit coup d'eau. Je sais pas si c'est utile vu le temps qu'il fait. Mais on va quand même en remettre. Ok, donc c'est pas du tout utile vu le temps qu'il fait. Moi, je serais d'avis de planter les graines nulles là qu'on avait. Ouais, genre ça. Je serais d'avis de les planter moi. Hein. Voir un petit peu ce que ça fait. Alors je vais les planter évidemment là, là et là. Est-ce que je peux les arroser? Par dépit, moi je les arrangerai. Et puis voilà. Donc là on est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben écoutez, si on allait voir la maison qui était à gauche, la petite maison abandonnée, ça serait peut-être sympa, non? Il pleut, c'est horrible. C'est insupportable la pluie. Hop, alors on va juste péter ça, merci. Après la sève, elle s'est bien vendue, quoi. Mais je crois que j'en avais mis quoi, 52 et j'ai eu 52 trucs, c'est ça? Je sais pas combien j'en avais mis. Putain, je reverrai sur le montage, mais bon, ça va me saouler, quoi. Alors. Oh là là, il y a plein de trucs à faire, quoi. Le jour où on aura tous les broussaillés, les gens, on sera vraiment des génies. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Puis l'énergie, elle descend vite, là. Comment est-ce que je fais pour améliorer tout ça? Je vais me renseigner, moi, je pense. Je vais me renseigner sur le wiki, parce que je suis un peu perdu, là. Tuc, tuc et tuc. Hop, on récupère tout ça. Hop, alors du coup on va aller checker la maison qui est là-bas, hein, parce que ça m'intrigue un peu moi perso. Il y a quoi là? Oh, ok, il y a encore des trucs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pensais que mon grand-père avait un mec qui séquestrait dans cette maison. C'est le genre de grand-père vraiment chelou. À quoi ça existe hein? Ça existe peut-être, hein, moi je sais pas. Bonjour. Quoi que ce fût, c'est maintenant en ruine. Ouais, bien ouais. Il y a un énorme fossé là, tu sais pas pourquoi, genre le truc on est en contrebas, tu peux pas comprendre pourquoi. J'utilise la faux parce que je ne vois rien du tout. Voilà. En fait le plus important pour moi là maintenant ça serait d'aller voir la tour du sorcier. Parce que j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il fout là et puis est-ce qu'il peut m'apporter des trucs genre. Parce que genre en plus il est à côté de chez nous quoi, c'est pas comme si le mec il vivait dans le village tranquillement, comme si c'était un mec normal, tu vois, non, il est clairement à côté de chez nous. Par contre je crois que c'est par là. Alors ce serait pas con aussi d'aller voir le forgeron avant la fin de l'épisode, peut-être parce que j'ai besoin d'épée. Oh là, c'est le bordel. Est-ce que vous pensez que... ah non, c'est dommage, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus stylé, c'est genre que mon arrosoir il se remplisse tout seul quoi. Il se remplisse tout seul quand il pleut. What the fuck. C'est par où le sorcier là? Parce que là on est en train de s'écarter de la carte hein. S'écarter de la carte non. C'est par là, ok. Oh, il y a un ponton. Bonjour. Oh, on va pouvoir pêcher je pense. Non? Oui. Compétence, la pêche. J'ai l'air à pouvoir pêcher. Ce sera pas mal ça. On a pas trop de besoin en termes de bouffe, donc ça c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'il rajoute ça quoi. Par contre, je sais pas du tout combien coûte l'épée, quoi, parce que si elle coûte 1000, on n'y est pas encore. Hein. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la baraque du sorcier. Alors, le chemin pour y aller est un peu compliqué, mais sinon, je l'ai. Hop. Putain, il va falloir que je débroussaille un peu partout. Hein. Bonjour, monsieur le sorcier. C'est fermé, vous entendez quelqu'un à l'intérieur, cependant. Ah, c'est une quête. Oh, c'est triste. J'aurais bien aimé que ça soit, genre, disponible dès le début du jeu. Donc à mon avis il faut faire pas mal de quêtes hein, pour commencer. Donc je pense que dans le prochain épisode on ira se civiliser, hein, on ira parler avec toutes les personnes du monde. Putain il y a des grands arbres comme ça, je peux pas les péter je suppose. Hein. Non je peux pas les péter. Donc ouais, il y a du taf à faire. En tout cas c'est pas mal, c'est un bon jeu. Et alors quand tu commences t'as pas mal de choses à faire. Et après quand t'as terminé je pense que t'as plus trop de grand chose à faire à part récolter tes ressources. Ouais à mon avis quand t'as terminé le jeu doit être assez fade. Hein. Alors par contre c'est le chemin qu'on a pris, voilà c'était là, hop, ok, ensuite c'était par où? Bah écoute, fuck la police, hein, on dit que c'était par là. Alors non par contre, ouais, alors non. Tac, putain c'était par où? C'était par là? Ah oui c'était par là. C'était par là, hop, on passait donc comme ça, ici, là, hop, 1, 2, et bon. Hop. Alors, on va juste aller voir le forgeron avant de se quitter, les amis. Et puis, bah, on se quittera, tout simplement.
Parce que là, ça fera ça, ça commence à faire quand même un bon épisode. Je sais même pas si ça a arrêté de tourner. Normalement, non, puisque j'ai pas eu de petite notification. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et puis là, de toute façon, j'ai déplacé, j'ai mis tout mon truc sur mon disque dur. Comme ça sera pas mal. Ça sera vraiment pas mal. Et puis, ça fera des bonnes vidéos. J'aurai quand même, maintenant, je pourrais tourner plusieurs vidéos à la suite sans avoir de problème de déplacement ou de montage à faire. Donc, ça sera plutôt bien. Un passe plutôt. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de musique, genre pour la pluie, genre une musique un peu plus triste. Mais bon, une musique quand même, quoi. Là, il y a une espèce de mec alchimiste, ok. J'ai l'impression que tu peux vraiment tout faire en Stardew Valley. Hein. C'est un truc de. Genre, au début, on dit, ouais, c'est de la farm, mais bon. Là, déjà, combat, pêche. Ça risque d'être sympa. Alors, bonjour, monsieur Patrick. Acheter. Alors, minerai d'or, minerai de cuivre. Ça, c'est sympa, ça. Ok, d'accord. Améliorer outil. Alors, une hache en cuivre. Requiert 5 robots de cuivre. Oh là 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 là. Je peux crafter mon truc ? Mais non. Est-ce que je peux crafter mes trucs ? Ok, non, j'ai ma forgeon. Attends, là, t'as pas professionnel ? Ok, très bien. Oh. On n'est pas assez bon ami avec Clint. Je peux parler avec Clint là ? Salut, moi c'est Clint. Je suis forgeron du village. Tu as besoin d'améliorer tes outils, je suis ton homme. Ok. Ok, ok. Donc en tout cas, on sait qu'il faudra avoir Clean pour juste l'amélioration des outils, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, et ben en tout cas les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé le premier épisode. Je pense que j'améliorerai peut-être un petit peu les musiques parce que sinon ça va être un peu fade de m'entendre juste jouer et parfois dire oh là là, il se passe ça, quoi, donc c'est pas non plus incroyable, donc j'aurais peut-être cherché des musiques de Stardew Valley pour vous les mettre en fond. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Moi j'adore ce jeu, on va continuer évidemment sur un deuxième épisode, peut-être un troisième et un cinquième. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour voir la suite de ces vidéos. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin de justifier ? Non ? Normalement, dans le prochain épisode, tout ça aura poussé, donc je vous attendrai. Ne vous inquiétez pas, puis j'irai sur le wiki, je pense, un petit peu me renseigner pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que là, c'est un peu la dèche. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Je pense aussi qu'il y a un marchand, donc on ira peut-être le trouver dans le prochain épisode. Enfin bref, on s'arrête là. Merci en tout cas les amis d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. N'hésitez pas à aller voir les autres chaînes de l'Acousteam, évidemment, comme Plus Five, Vultran ou l'Acousteam elle-même. Et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'est un autre sur site. Allez, bye!